Monsieur Lefebvre, vous présentez Prince de Bel-Ouest dans le quintet de jeudi. Un Prince de Bel-Ouest qui fait sa rentrée, où en est-il exactement? Il a du travail, beaucoup de travail. Maintenant, ça va être un test, ça va être un test à l'hôtel. Hein, ça va être un test à l'hôtel. Maintenant, il a plus de frais d'engagement, donc il faut tester et y aller. Alors, est-ce qu'il a les capacités de réussir sur ce genre de parcours? Moi, je le pense. D'ailleurs, que si ça se passe bien après, il ira sur le groupe. Mais moi, je pense. Après, peut-être qu'il va manquer parce que c'est une rentrée et puis que c'est un handicap et que tout le monde veut le gagner. Vous le préférez sur les haies ou sur le steeple? Je préfère sur le steeple. Mais pour découvrir le rotaille, les haies, c'est bien. D'accord. Après, donc, le programme, ce sera le steeple, probablement. Peut-être, parce que les haies d'Auteuil sont quand même celles qui sont les plus grosses en France. Donc, si ça veut bien se passer, ce sera sur les haies, peut-être. Le programme n'est pas vraiment défini parce que c'est un cheval qui a des gains et c'est un cheval qui n'a plus une seule course à Enghien. D'accord. Si en haie, mais en haie à Enghien, il saute moins bien quand c'est comme ça. C'est un peu rapide. D'accord. Le niveau du terrain, c'est un choc qui aime bien le lourd. Voilà. Ça va être au moins bon. On sait qu'on sera bien en fin d'année. D'accord. Donc là, pour ce jeudi, ce sera peut-être plutôt en fin de combinaison. Il faut regarder. Ça, c'est un mental. Il va sûrement faire l'arrivée parce qu'il fait toutes les courses. Mais il faut quand même avoir un peu de réserve. D'avoir d'Auteuil et puis de faire rentrer quand même.